transformation évidemment, mais pour être très darwiniste, qui disait que ce n'est pas forcément les plus gros qui s'en sortent, mais ceux qui s'adaptent le mieux, je pense que c'est extrêmement vrai pour les agences de publicité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a celles qui ont réussi à s'adapter, ou qui sont en train de réussir à s'adapter, et puis il y a celles qui ont du mal. Et on voit bien à quel point ça devient difficile pour elles. Donc je pense que l'enjeu majeur aujourd'hui et demain, hein, ça va être vraiment de s'adapter à un écosystème, à une société, à de l'innovation en permanence. Et sera, à mon avis, la bonne agence, celle qui a la faculté de s'adapter en permanence. Il y a une part d'utopie là-dedans, mais moi je pense que c'est dans les métiers de la création, il est important d'être utopiste. Autrement, on reste que rationnel et je trouve qu'on transcende pas les choses. Moi, la publicité, je la vois toujours comme étant un métier qui doit continuer quand même encore à faire un peu rêver. Alors certes, avec un aboutissement commerçant, commercial, business, on est bien d'accord là-dessus, mais il y a cette dimension un peu d'utopie, de rêve. Donc, penser qu'une création publicitaire, ou en tout cas une campagne, peut changer le regard d'une société sur un sujet, oui, je veux y croire. Hein. Je veux y croire quand il y a un alignement des planètes qui fonctionne bien, à savoir une agence, une marque qui travaille main dans la main, qui essaye de travailler ensemble sur à avoir un point de vue sur la société, à le défendre, et d'un coup, oui, peut-être à travers cette puissance-là, parce qu'on sait à quel point les marques peuvent être puissantes aujourd'hui, de par leur écosystème, peut-être ouais, changer le regard des gens sur des phénomènes de société. Oui, ça me semble pas impossible. On est au croisement de deux choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis assez convaincu que les marques et les annonceurs ont conscience que l'idée est fondamentale et la bonne idée est fondamentale. En revanche, on est aussi dans un moment où le retour sur investissement est fondamental également. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, et c'est en ça que je trouve intéressant, moi, la CRMisation de la publicité, c'est ça. C'est que d'une certaine manière, elle nous force, agence, à venir voir nos interlocuteurs avec des idées fortes. Et la mise en place la plus efficace pour leur assurer que ça va fonctionner.